Salut, bienvenue pour une autre émission Animalia. Aujourd'hui, encore une fois, nous pourrons découvrir beaucoup d'affaires, surtout ben, nous autres, les animaux et plein de belles choses, n'est-ce pas, Del? Tout à fait, bonjour à tout le monde. Et on va dire que les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas chez Animalia. Ça, donc, à chaque fois, c'est une nouvelle histoire. À chaque fois, c'est une nouvelle émotion. Donc, si nous pas pour poule, nous poutons canard, nous poutons sat, nous poutons lapin. Donc, encore une fois, c'est le rendez-vous hebdomadaire à ne pas rater à ne pas rater ceux qui aiment les animaux. Exactement. Allez, donc, on y va pour une autre émission d'Animalia. Tout de suite. Oh, you have very nice dog, and we can see here three in the cage and one there, but I think there's more at house. Yes, 13. 13. What kind of dog are they? What? 20 Yorkshire Terrier, and then we get some strays and Rottweiler and like mix from the street. Oh, you also take the stray dogs then at home. That's great. Why do you love dogs so much? It's not only dogs, I love all animals, you know. We get ducks, we get rabbits, we get turtles, parrots. And I get 30 dogs, I get like 20 Yorkshire Terrier, and the rest is strays, which I took it from the road, which I saved them, because they were in very bad condition, so. So why did you came today at Animalia? We get surgery because Michelle Pfeiffer, I get all Hollywood names. Yes, Michelle Pfeiffer gets stones and Bruce Willis get big prostate. So we must remove the testicle. Yeah. Hope Bruce Willis don't hear about that. Huh? So all your dogs have the name of stars. Yes, but the Hollywood has become small, so because we get too many dogs. So there is a Petra Animal Foundation. What is the use of this foundation? To protect the animals, help them. So when we find it in the road, like dogs, you know, so we go every night, we feed them. So we bring them to castration. And I want like really help all the dogs or the cats or cruel animal. That will be not in the road, you know, and stop the reborn is the massive castration because it's like just in my road, there are two female pregnant, so there will be another 12 dogs. So this is like never ending story. So this is the use of the foundation, helping the animals. No more cruelty with animals. Yes, this is my biggest dream. This is why I opened it, the own foundation, and this is my biggest dream. Donc là, c'est un chien qui est en très mauvais état et qui n'a mené ici côté Animalia. Alors, qui n'arrive tout au fait, trois semaines, cela, il tue un pigeon. Au fait, il défend lui, puis le pigeon a une becquille dans son œil droit. Il a gagné ce problème-là. Alors, il commence à gratter son œil, il commence à avoir un problème, tu es agacé. Okay, ça, tu peux commencer à faire un petit trou, bouche, tu peux venir sur son œil. Alors, étant trouvé cela, nous avons besoin d'amener le code vétérinaire de suite, pas perdre le temps. Étant amené le code vétérinaire, il faudra que tu endormis, tu mets une injection pour y dormir. Puis, on a un tas de bébêtes dans son œil. En fait, le vétérinaire, là, tu dis à nous, tu peux perdre son œil. Finalement, après 30 minutes, il faut tout faire pour sauver son œil, évidemment, pour réussir à sauver ses yeux. C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Très endommagé, ça, c'est très endommagé. Même si bien triste quand le vétérinaire là, tu dis à nous, il peut perdre son œil. Mais le vétérinaire là, il fait ce mieux, il dit à nous, il peut suivre son œil de très près. Et là, semaine par semaine, nous venons vérifier son œil. Tu as la crème, tu mets dans son œil. Après, puis par la suite, tu as la goutte. Tu donnes un antibiotique, tout, soit un médicament de douleur. Parce que ça, tu es bien enflé. Là, comment vous pouvez trouver une baissée? Il vient presque normal. Et là, aujourd'hui, nous pouvons faire le check-up, aujourd'hui, nous pouvons suivre. Ok, très bien. En tout cas, comment il est appelé? Il appelle Austin. On espérait que Austin il reprend vite, mais très vite. Il retrouve son lisier aussi, déjà, et surtout qu'il est en bonne santé.
bébé vient ici, c'est surtout quand nos balnéciens pas bien, sont malades. Et là, Anouchka, il a ce bébé qui pas bien du tout. Qui lui peut gagner comme ça, Anouchka? Il peut gagner genre des diarrhées comme ça. Quand il peut avoir diarrhée, il peut saigner tout en même temps. D'accord, bah oui, c'est vrai que quand on se demande cas comme ça, c'est important d'amener notre code vétérinaire pour guetter quel est le problème. Alors, Anouchka, ce n'est pas celle lycien qui est là. Il y a 14 lycéens, c'est ça? Oui, 14. 14, oui. Alors, c'est qui fait? Parce que vous comptez lycien? Oui, je compte les animaux. Mais même les animaux ici, le chemin aussi, si les malades aussi, je peux finir de tout là. D'accord. Alors, donc, ça veut dire que c'est l'amour des chiens qui fait qu'il y en a autant d'animaux. Est-ce qu'il est facile et nourrir 14 lycéens? Est-ce qu'il y en a le temps pour eux avec les autres? Oui, il y en a le temps, mais il n'est pas facile. Mais vous avez que les autres qui ont des enfants aussi. Les autres qui ont des enfants même. Vous êtes tout ce qui. Si je peux manger des affaires aussi, là, je vous donne. Tout ce que je mange, je vous donne. Alors, et les chiens qui plient, parce que c'est comme ça qu'il nous besoin de dire, hein, parce que les chiens, ils vieillissent beaucoup plus vite qu'un être humain. Et qui l'a Ziena? Lui, il y en a 2 ans et demi. Après, la maison, il y en a un qui a 10 ans. Un griffon. Donc, c'est que griffon à la maison ou bien il y en a les autres lycéens aussi? Il y en a les autres, ben, tout au dîner aussi. Il y en a un petit équel aussi. Après, il y en a un gros, mais je ne connais pas qui est sauras. Je ne connais pas qui est sauras. Alors, pour vous, un lycéen qui... Comment on considère un lycien, vu qu'il y en a beaucoup l'amour pour les chiens? Comment on considère un lycien? Pour moi, un lycien, c'est comment dire, un jumeau même pour moi. Enfin, les plus que tout. Je suis bien content aux animaux. Donc l'amour des chiens, c'est ça au fait. Hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a l'animalia là. C'est pour donner plein de services et aussi quand on est tout malade, ben, il y a un vétérinaire qui l'a pour guetter. Une cause beaucoup de fois. Le rôle d'importance gagne un professionnel pour équiper nos chiens. Donc, non seulement en termes de vétérinaire, en termes cliniques, en termes de réhabilitation, mais aussi en termes de toilettage, nous avons beaucoup de chiens qui viennent là traumatisés, même blessés, avec un chien en moins, avec un bout d'oreille qui n'allait parce que c'est un côté de monde qui improvise du jour au lendemain, toiletteur ou bien toiletteuse. Donc, c'est un vrai métier. C'est un métier qui demande un savoir-faire, une formation. C'est sûr. Donc, et ici, nous avons toiletteuse, je confirme, je traîne pour cela. Je suis une formation intensive et professionnelle. Mm-hmm. Et je voudrais dire, pas par n'importe qui, par Michael Layou qui nous toiletteur Cisodo International. Mm-hmm. Donc, c'est quand même un champion du monde qui nous traîne maintenant. C'est pas n'importe qui. Mm-hmm. Et donc, là, on va aller voir un petit toutou. On va voir aussi donc, sa maîtresse. Joli petit toutou, mais qui vient chez Animalia complètement traumatisé parce qu'avant ça, il a le côté de la toiletteuse et malheureusement, donc ça ne s'est pas bien passé. Donc une mauvaise expérience et pour le chien et pour les maîtres. Donc on va voir ça. On va aussi demander à Souraya de nous dire quelques mots. L'IP prépare nous un événement, première fois à l'île Maurice, beaucoup première fois peut-être même dans l'océan Indien, un marathon du toilettage. Donc il y a beaucoup de monde qui ont envie de faire toilette aux opticiens. Il y a des problèmes. Premièrement, souvent c'est loin. Et deuxième, le prix. Bah oui. Alors, right? Justement, qui peut arriver alors ce jour? Donc là, ce qui peut arriver, c'est qu'Animalia peut délocaliser lui le 22 juin. Le 22 juin. Samedi 22 juin. Je vais dire la date. Samedi 22 juin, le PAL à Bel Air. Nous pouvons dans un centre là-bas. Mais nous avons un partenaire qui s'appelle Bendy Pet Shop. Et il peut ouvrir nous ce local. Et nous pouvons faire, donc, à Souraya avec son équipe, avec Francesca, ils mettent un chiffre à Athènes. 32 chiens dans une journée. 32 chiens, ça veut dire 32 chiens qui se pour toiletter, qui se pour faire vivre une jolie chien. Et ce jour-là, l'on nous prie normal, le public pour gagner 30% de remise. Wow. 30% de remise. Ça vaut la peine. Voilà. Donc, et il y aura donc, tout le monde de la région Flac, Bel Air, etc., dans l'Est. Vous êtes capable de prendre contact avec Bendy Pet Shop au Facebook ou bien avec Animalia. Réserve cette date le 22 juin. Pour sa marathon du toilettage. Donc 22 juin, pas billet. Voilà. Donc ça, c'est Souraya pour cause de ça, un petit moment.
Alors là, comme on a dit tout à l'heure, toilettage, c'est un fait extra important. Des fois, nous pas réaliser, mais c'est quand même bon pour le chien parce que pour sa propreté et aussi si besoin, par exemple, si le chien a long poil, pour les pénas, une boule de poil, etc., etc. Alors là, il y a donc flocon, qui est comme un flocon de neige, tout blanc parce qu'il ne fait que faire ce toilettage, mais quand nous guettons flocon là, comment il était là maintenant, flocon avant, par rapport à ce premier toilettage, il y a quand même un petit souci parce qu'il est traumatisé par rapport à une mauvaise expérience qu'il a gagnée, n'est-ce pas, avec un toiletteur ou toiletteuse qui n'est pas formé. Et là, la propriétaire pour expliquer-nous un petit peu qui est arrivé. Alors, raconte-nous justement comment flocon, comment on connaît qu'il flocon est traumatisé par exemple, qui est arrivé au fait. En fait, tout le temps avant, j'étais un flocon petit petit, tu as bien mené que ton animalia. Après, mon laisse-moi être un peu leurré pour ben advertisement, etc. Finalement, mon amène flocon que ben particulier. Particulier pourquoi? Pas à cause du prix, parce qu'en fait, tout paye même prix ou peut-être même plus cher, mais par rapport à facilité ou pour une photo qui je mettais là au Facebook. Donc je me suis laissée leurrer et c'est à ce moment-là qu'en fait tout là une traumatisme. Mais on va se réaliser, c'est comment nous finir réaliser ça, c'est quand par exemple étant nous de lit se bain, longtemps les petits laissent nous bain lit, après ils parlent laissent nous bain lit, ils parlent laissent nous brosse lit. Et puis un beau jour mon réamène lit que ton animal là et c'est là que nous réaliser parce qu'il est là les petits de mode tout du monde, donc il est là les petits faire extra mauvais. Mais là au fur et à mesure, comment dire, nous regagnons confiance et là maintenant aujourd'hui tout s'est bien passé, on n'a pas eu de soucis. Donc c'est quelque part un réapprentissage qu'il est bien faire pour qu'il est capable sur le monde ça l'a qu'il est fini gagner là. C'est-à-dire le manque de confiance envers quand lui m'appelle attrape-li et puis caresse-li ou bien pour brosse-li, toilette. Pas pour caresser. Plutôt par rapport à moment qui vous trappe une brosse dans la main. Il commence à être maudou. Moment qui vous c'est ben il change de caractère, de comportement dans une certaine manière. Et ça qui mène nous, parce qu'il faut savoir qu'il s'appelle une toilette, comment dire, dans quoi un chemin là. Je ne pas les sous-rentrer, je ne pas les sous-guetter qui arrivaient. Je te prends tout là, capable le chemin. Effectivement, c'est ce qui est arrivé avec Flo, qu'on prend le chemin. Là, il y a où vient c'est citer l'air, mais ce qui peut passer à l'intérieur ou pas connaît. Comparé à Animalia, que tout là, au présent et au pégueté qui peut arriver avec la toiletteuse. D'accord. Alors, est-ce que Flocon t'y blessé ou des choses comme non, ça? On n'a pas été blessé, du moins pas physiquement. On n'a pas vu des blessures, mais par contre, mais c'est sûr que peur, il a eu une peur. Parce que là, maintenant, Souraya même me disait la dernière fois quand il était venu, nous t'y presque pas capable de faire ce toilettage. Mais la deuxième fois qu'on revient, comme si après tout mauvais petit périple, mais là, ça s'est bien mieux passé. Les plus calmes et les plus laissées faire par rapport à la toiletteuse. Quelques petits trucs, mais après, ça s'est bien passé. Est-ce que, ou personnellement, parce que c'est pas mieux de le faire soi-même, en fait, quelquefois? Oui, j'ai déjà essayé avec des ciseaux, mais ça, c'était vraiment une catastrophe parce que, en fait, c'est vraiment un métier où les gens doivent savoir ce qu'ils sont en train de faire. Flocon s'est retrouvé avec des trous partout. Donc, c'était vraiment une galère. Ne pas le faire soi-même si on n'a pas été formé et surtout de l'emmener chez quelqu'un qui est formé pour le faire. Ça, c'est vraiment le message le plus fort à passer parce que, en fait, ben, tout là, je peine à la voix. Donc, ce qui fait qu'il ne peut pas connaître qui peut passer là-bas, comment dit Mouna Petre Zot, donc c'est très très, il faut faire attention. Eh ben en tout cas, c'est vrai, hein, ce qu'il peut dire, c'est que c'est important faire lit, faire un toilettage, nous ban toutou, nous ban animaux, par un professionnel. Est-ce que pour ça, vous satisfait de chez Animalia, est-ce que vous pouvez recommander Animalia aux autres personnes, aux ban camarades par exemple? Ah oui, absolument, parce qu'en fait, les temps qu'on amène flocon, on retourne flocon, que tu animal, sachant qu'il y a un petit peu amené lui, on trouve une manière qui sera là, une deal avec lui. Et là, bien sûr, next time, ce n'est que Animalia qui vient en tête lorsque je pense à grooming. Et c'est la même chose lorsque mes amis aussi qui ont des petits chiens comme lui me demandent la même chose, ben je recommande Animalia, définitivement. C'est vrai qu'il est beau maintenant, flocon, hein. Il est très beau.
Alors Soraya, donc toiletteuse ici côté Animalia, beau travail en tout cas dans le guet flocon, c'est vraiment un flocon de neige. Et c'est vrai que c'est important, nous amène nous lycéens pour faire ce grooming côté professionnel, parce que le professionnel il connaît qu'il peut faire. Comme flocon, il tient chez une toiletteuse qui n'est pas professionnelle bien sûr, il traumatise tout là, comme madame il dit, il prend ce tutu au chemin, il met le lien, on ne pas connaît qu'il fait avec lui, si pas il Denis, pas connaît comment il traite tout là-bas. Bien sûr, comme Aline vient avec nous, la première fois, après qu'il est traumatisé là-bas, c'était bien tough pour nous. Nous avons besoin d'habituer tout là, petit à petit. Nous avons besoin d'appeler vet assistant pour draper, pour handle, pour nous capables de recommencer à nouveau avec lui. Mais maintenant, à mes yeux, Aline vient, mes flocons commencent à habituer. Comment, disons, avant nous trappe ses ongles pour couper, il n'a pas laissé faire. Il se nettoie ses oreilles, il parle, que tout nettoie ses poumons, il parle, accepter, il traumatise, il perd, attention nous coupe, attention nous blesse. Mais maintenant, non, il se laisse faire, il est bien joli, comme la fois dernière, madame, nous utilisons un shave, il est net, il est bien nous utilisons un shave net, la peau, mais maintenant, il faut qu'on aime bien, faire les bien fluffy, il est joli. C'est vrai, en tout cas, très beau chien. Alors, Soraya, nous un petit peu dans sa marathon du toilettage qui peut avoir lieu, qui se peut lancer. Donc, il y a une autre toiletteuse aussi. Et qui peut arriver exactement? Bon, il y a plusieurs clients qui ne sont pas capables d'amener tout, qui ne sont pas capables de déplacer. Mais dans ce cas, nous essayons de penser avec M. Dell qui nous dit « laisse-nous essayer ». Faire une campagne de toilettage. Il y a beaucoup de tutus qui bien nus, je ne suis pas capable, mais là, nous pouvons faire 32 tutus pour un seul jour. C'est possible, ça? Si. Bien sûr, c'est possible. 32 tutus possible. D'accord, c'est sûr. Alors, donc, le but, c'est surtout, comment dire, faire Bandimoun Kone. Qui ouais, possible faire zot lycéen zoli, ouais. Toilettage qui était, comment ça passait, et faire professionnellement, surtout, ça c'est une affaire, un point bien important à souligner. Alors, pour rappel, les spectateurs, Soraya, quand ça point a lieu et qui date? Ok, ça va être les 22 juin. Ça va commencer peut-être à 9h, 2-5h, peut-être plus même, mais ça va faire chez Bendy Pet Shop à Bel Air. Ok, et on va faire, il va y avoir de promotions bien sûr sur Facebook. D'accord, donc en tout cas, reste sur la page Facebook pour plus d'informations et se rappeler l'heure, la date et le jour. Très bien, en tout cas, Soraya, ça va bosser dur ce jour-là, Mossia, oui. Parce qu'ils étaient là beaucoup lycéen, Mossia, beaucoup d'immunes pour vinguer d'autres pour faire qu'ils étaient lycéens zoli. Oui, bien sûr, on va prendre bien fortifiant vous ça. Alors, comment se trouver dans l'Animalia, nous toujours cause tout langue. Hein. Tout langue, anglais, français, créole. Et là, nous avons un petit chat, car c'est son nom. C'est le petit chien de la jeune fille. So, and she speaks English. So, why did you bring Shaka to Animalia? I brought Shaka to have his second vaccination. It's very important to vaccinate our dogs, is it? Yes, it is, and you shouldn't forget to vaccinate your puppy or dog. So this one is his second vaccination? Yes. And you have to follow because it's the doctor is going to tell you when you have to come back for the third one. Yes. So do you have a lot of dogs? Do you have other pets at home? No, we rescued this one, this puppy though. Where did you find it? He was found under a bush with his brothers and sisters. What about his brothers and sisters? His brothers and sisters were put up for adoption and found good homes. You did it? You did that? No. So you are among the people who foster these dogs then? Well, there's this lady, she rescues the puppies and we offered to take this one. It's a very nice puppy. Tell me something, are you going to sterilize a Shaka? Yes, we are, but he's a little bit young. Always remember to sterilize your puppies or dogs so that they don't become a problem and you don't have another case like Shaka. Thank you. So it's very important to sterilize our dogs.
Yes, it is very important. Thank you very much. Alors là, c'est une affaire qui est très très rare ici, même chez Animalia, je pense. C'est donc monsieur qui amène une poule ici, et ça, c'est bien rare. Alors, donc, la poule qu'appelle Kiki, c'est pour Outifi, c'est bien ça? Oui, Amélie, Outifi Amélie, qui est à l'école ce matin. Qui, ce matin, normalement, il occupe ce poule, il est juste donné manger. Mais comme il est besoin, l'école, il n'est pas connu qui l'état était. Mais moi aussi, je me passe derrière, je jette un petit coup d'œil, je trouve qu'il n'est pas normal. Nous, en tant que peu plus grand, on connaît un petit peu plus aussi. Je dis non, mais là, ce n'est pas normal. Bon, il faut faire quelque chose parce qu'ils ne vont pas venir perdre. Alors, c'est pour ça que j'apporte Kiki, Coco est tranquille à la maison. Alors, il y en a Kiki et Coco. Donc, le coq Coco et la poule Kiki. Alors, c'est vrai que quand nous comptons des animaux et quand il est malade ou quand il est décédé, c'est vrai, ça touche nous s'agrée. Et surtout, pour une fille de 16 ans, donc c'est encore plus triste. Et là, on peut faire tout justement pour sauver Kiki parce que trouver que Kiki, c'est vrai que c'est pas normal qu'une poule reste comme ça et pas bouge du tout. C'est rare même. C'est rare en poule parce que, comme on le connaît, dans poule médeux, blanc, là, il peut dire que envie de rester la même. Mais ça n'a pas poule la cour, comme on le dit, il est content de marcher. Il n'est pas resté en place. Mais là, vraiment, c'est pas ce manière. C'est pas normal, surtout dans cet environnement. Là, je pensais à notre poule, il finit en voler, tu vois. Allez. Exactement. La fille, si je le comprends bien, elle est bien contente poule. Oui, oui. Au fait, il est content tous les animaux. Pour la petite histoire, c'est que Amélie, quand elle était très petite, à 3 ans comme ça, elle avait une frousse pas possible des chiens, de tout ça. Quand les chiens coustaient avec lui, ils criaient peur. Mais après, un seul coup, il est adapté avec ça. Parce qu'une chapeau d'un petit griffon, il s'appelle Têtu, qui est perdu malheureusement. Il commence à habituer avec lui. Maintenant, il adore tous les animaux. Et là, il a ce poule. Et c'est moi qui apporte ça des petits poussins là pour lui, il vient grand. Et là, voilà. Bah, c'est un petit peu ce petit enfant là. Et c'est vrai que c'est connu, hein, c'est pas moi qui dis ça, c'est ban spécialiste qui ban animaux, ça joue un rôle important. Je trouve que ban enfants, ça capable des fois sans ce caractère des enfants. Est-ce qu'il y a une remarque ça? Définitivement, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour y occuper ce poule, mais seulement quand il parle de Coco, il parle de Kiki, il y a une autre qualité de personne. Et la dernière fois, quand la première fois qu'il se poule d'une pomme, et il dit, ah, il va pas suivre une grand-mère. J'ai dit, non, pas maintenant. Alors, trop mignon. Alors, mais il est bien adoré souvent les animaux. Et ça, vraiment, change. Alors là, donc, un zolisat qui appelle Minou, et là, c'est le propriétaire. So you speak English, and what's the problem with Minou today? Well, Minou is having a problem around his teeth, so he has some kind of infection, and he's not been eating for more than a week. So I'm coming here for his second shot to help him to inflammatory and also to make sure that he eats a bit. And then next month we're doing a scaling of his teeth. You know, in Mauritius, there's a lot of people who don't like cats. So, if you have something to say about cats, what will you say? Well, I myself was a dog person. Of course, as a child, I've always had dogs, and I didn't like cats. But this cat came into our office as a kitten about 8 years ago. And it became like my cat, and I like him. He's very social. He comes and wants to play, or he comes and wants to be cuddled. So about cats, normally doesn't being like their own, it is not the same as I've experienced. So I'm quite happy with him. Thank you very much. Nice to meet Minou today, and you also. Alors, comment se trouver donc dans Animalia? Nous joignent plusieurs animaux et nous joignent plusieurs propriétaires. Et c'est pour ça donc que des fois nous causons créole, des fois nous causons français, des fois nous causons anglais. Et puis s'il y a les autres langues aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, plus important que ça, c'est qu'ils nous joignent, ça va Dimoun qui compte en animaux.
Alors, d'elle, nous sommes justement propriétaire de chats qui viennent à Animalia et qui ont un problème avec ce gencive. Mais, ben, ça, comme on nous connaît, ils bisent à manger, ils bisent à boire, mais ils ont aussi besoin ben, lithium ou quoi. C'est ça, ça? Oui, là, on a la chance, encore une fois, nous me connaît qui, à chaque fois, me dit que nous avons un produit extrêmement bon et pas cher chez Animalia. Là, on a mis le paquet avec donc, cette litière qui s'appelle Tiger Pet. Donc, Tiger Pet, c'est une litière à base d'argile. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un auto-clamping. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dès que le chat urine dedans, il vient un petit boule. Donc, dès que nous l'évelons, avec un peu, nous allons prendre une pincette, nous allons prendre un petit lapel, etc. Et nous êtes lits. Donc, c'est une super bonne litière. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ce prix. Ouais. Vous pensez, à ce jour, c'est la litière qui est le moins chère par rapport à sa qualité, le marché. Donc, disponible chez Animalia et chez nos revendeurs. Et en plus, vous trouvez une écrasant 10% naturel. Exact. Et plus qu'il a dirait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que lui aussi est un ban natural scent, c'est-à-dire lui parfumé avec ban arôme naturel. Donc, il y a pomme, il y a strawberry, il y a lavande. Voilà, ça c'est intéressant. Voilà, ça sent super. Parce qu'après, on sent plus le pipi chat et ça sent bon. Tout à fait. Sur ce, l'émission se termine. Ah bah oui, on est arrivé à la fin. Donc, fini pour aujourd'hui, pour Animalia. Et bien sûr qu'ils nous retrouvent vous autres la prochaine fois pour une autre émission. Exact. Merci, au revoir. Bye bye.